Cher futur moi, là on est le samedi 2 mars 2024, t'es à Sciences Po, à Reims, et cette semaine il s'est passé énormément de choses. Cette semaine t'as gagné un concours d'éloquence, le troisième que tu gagnes de l'année. T'es de moins en moins fier de ce que tu fais par rapport à ça, tu penses que tu régresses, mais je pense qu'il faut que tu regardes ça avec fierté, que tu sois content de ce que t'arrives à faire, parce que c'est bien. Cette semaine, il y a aussi le théâtre qui a repris, La Nuit de Valonne d'Éric Emmanuel Schmitt. Tu joues le rôle de Don Juan, le rôle principal. Bah, sache que t'as super hâte, mais t'as vraiment la trouille, t'as trop peur. Parce que tu sais pas si tu mérites vraiment ce rôle, tu sais pas si tu mérites vraiment ta place dans ça. Mais en même temps, tu t'aimes ça. C'est une des choses qui te plaît le plus, le jeu, l'acting. En même temps, ça t'épuise. Parce que émotionnellement parlant, ça te demande beaucoup de concentration, de pouvoir contrôler, de pouvoir exprimer des émotions, mais en même temps, t'aimes beaucoup ça. Il y a une réflexion que tu te fais ou que t'évites de te faire en ce moment, qui est qu'est-ce que tu vas devenir plus tard, qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Et en fait, j'ai cette espèce de petite phrase que je dis un peu, que je dis, je pense aux autres pour me rassurer, que je me dis moi-même pour me rassurer aussi, mais en même temps, je pense que c'est quand même comme ça que je pense. T'es perdu, enfin, je suis perdu, totalement perdu. Mais j'essaye pas de chercher. Il y a grand-mère qui est à l'hôpital depuis un peu plus d'un mois parce qu'elle a fait un AVC en décembre. Et c'est compliqué. Mais en même temps, je veux pas croire à ce qui puisse arriver pire. Je pense que... Enfin, je veux pas y croire du tout. Ça arrivera un jour. Mais sache qu'aujourd'hui, t'es pas prêt à affronter la mort de qui que ce soit. T'es pas prêt du tout. Je sais pas si t'en as peur, mais en tout cas, c'est un tabou que tu te fais avec toi-même, t'as pas envie de parler de la mort. Et tu crois en la vie. J'espère que tu crois toujours en la vie. N'importe... Enfin, quelle que soit la vie que t'as, j'espère que tu crois. Parce que moi, j'y crois. Moi, à 18 ans, Marc Thomas, à 18 ans, Marc Thomas Gérard, à 18 ans, il y croit. Il y croit du plus profond de son cœur, il croit que la vie, c'est... Il faut en profiter, il croit que la vie, il faut la saisir et il essaie de la saisir parce que jusqu'ici, il l'a pas forcément fait. Et il faut avancer tous les jours, mais il faut pas trop non plus se poser de questions parce que quand on s'en pose trop après, bah, ça nous arrête, ça nous ralentit. Et moi, je sais que je m'en pose très souvent et que c'est quelque chose que sur lequel je voudrais travailler. J'espère que aujourd'hui, tu te poses beaucoup moins. Enfin, tu te poses des questions, bien sûr, que tu les acceptes, ces questions, que tu acceptes tes sentiments, mais que d'un côté, tu te laisses pas bloquer par toutes les réflexions qu'il peut y avoir. Et j'espère qu'aujourd'hui t'accomplis des choses sans trop te poser de questions et sans t'embêter de ce que vont penser les autres. Et honnêtement, je vais te le dire, quoi que tu accomplisses, que tu finisses, aujourd'hui, un de mes rêves par exemple c'est de finir dans le cinéma, que tu finisses dans le théâtre, que tu finisses dans la politique, ça te fait rêver la politique aussi, un monde, mais je pense que tu le vois peut-être trop à la légère, je sais pas. Mais ça te fait rêver. La géopolitique aussi, la diplomatie, que tu puisses changer le monde, changer les choses, c'est des choses qui te saisissent, que tu puisses avoir un impact. Aujourd'hui, si j'espère que tu as fait quelque chose, c'est avoir un impact, et un impact, que ce soit sur le monde, que ce soit sur les gens autour de toi, que ce soit sur toi-même, moi ce que je veux, c'est que tu aies de l'impact. Et puis aussi, j'espère que tu arrives à dire merci aux gens. Parce que ça, j'y arrive, mais pas forcément aux gens les plus importants. À tes parents, à tes sœurs, il faut que tu puisses leur dire merci, il faut que tu puisses leur dire je t'aime surtout. Parce que aujourd'hui, tu peux pas dire je t'aime à ton papa par exemple. Tu n'y arrives pas. Alors que tu l'aimes, tu peux profond de ton cœur. Dis-leur les choses si. Parce que le temps passe, rien n'est éternel et il faut que tu profites de chaque instant et que tu fasses en sorte que les autres en profitent. J'espère que tu es heureux et beaucoup de love. Je sais toujours pas très bien faire les cœurs. J'espère aussi que tu as appris à faire des clins d'œil parce que je suis très mauvais. Très très mauvais en plein d'œil, j'espère que t'es meilleur que moi. Cher futur moi, je t'aime. Et aime les autres. J'agis sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais
J'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite tu es le maître, au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah.